Le personnel enseignant et gestionnaire de l'ISEPTS, en partenariat avec le groupe Gaïa et Discover Teranga, a procédé à une journée de visite de plusieurs sites, notamment le monastère de Cœur Moussa, avec la découverte de vergers d'une vaste exploitation agricole qui constitue un maillon important de l'autosuffisance alimentaire. C'est la mandarine sauvage, on les appelle Kumkat. D'accord. Maintenant, bon, comme il n'est pas très sucré, d'accord, ils en font une sorte de pâté. D'accord. Et puis à l'intérieur, on met une gelée un peu sucrée là. Mmh. Voilà, donc vous avez vu là, c'est... Ça va être la taille finale. Non, c'est comme ça. Pas plus. Maintenant, ceux qui connaissent les agrumes, oui. Ceux qui connaissent les agrumes, il y a une odeur assez particulière. Hein. Comme ça, c'est pas seulement arrosé matin et soir, hein, d'accord. Il y a des périodes, il y a chaque période, il y a des choses à faire. Il y a des périodes où on met le fumier, il y a des périodes où on n'arrose pas, il y a des périodes où il faut tailler, il y a des périodes où il faut augmenter l'eau, c'est très compliqué. Hein. On est obligé de, voilà, d'avoir quelqu'un un permanent, voilà. Et puis surtout vraiment la régularité de l'effort. Le problème de l'Africain, c'est que vous leur donnez un verger. Mm-hmm. Ils arrosent beaucoup, après ils oublient, une semaine après on revient, ça ne marche pas. Mm-hmm. Un arbre ici, ça ne se prépare pendant un an. Mm-hmm. Chaque jour, tu dois avoir quelque chose à faire là-dedans. Mm-hmm. C'est vraiment le plus difficile. Bon, eux, comme bon, vous avez compris, hein, c'est des gens très disciplinés, mm-hmm, très travaillés, donc ça marche. Mm-hmm. Maintenant, nous, le problème des scientifiques, c'est ça. Là. Mm-hmm. Dans ce pays, on fonctionne par taf-taf dans là, quoi. Joli, on fait taf-taf, après on va dormir, d'accord. Mm-hmm. Ça marche pas. Vous allez voir ici, vous avez quand même un très beau verger. Vous avez vu la taille des citrons là? Très adapté ici. On appelle Volcameria. C'est ça qui fait, vous avez vu la taille des arbres là? Mmh. Ça peut produire énormément. Ouais. Bon, vous, le problème, c'est que dans les maisons, vous prenez les citrons classiques là, il faut greffer un autre citron. Oui, oui. C'est pas toujours l'idéal. Mmh. Ah, il faut une variété de base. Ouais, vraiment bien adaptée, qui pompe bien l'eau et qui permet à l'eau de se développer. 5 hectares, donc il coupe une tonne de citron par jour. Une tonne? Par jour. S'il vend le kilo à 600 francs, mon ami, ça fait combien? Oh my God. Bon, tu n'as rien entendu. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Ouais, maintenant, toi, si tu as un domaine agricole où tu vends au moins 500 kilos par jour, mon ami, tu vas, tu es presque autonome. Et les citrons, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'en consomme pas? C'était les premiers dans les années 64 quand ils venaient d'arriver. Donc à l'époque, on avait un porte-greffe qui était très sensible à diverses maladies. Là. Mmh. Bon, on a changé de porte-greffe avant. Là. D'accord. Porte-greffe, c'est quoi? Si vous plantez un, oui, et après vous prenez une tige de pamplemousse, là, oui, vous coupez et vous la collez. Mmh. Maintenant, c'est le pamplemousse que vous avez mis là qui va donner quelque chose. Le porte-greffe, il sert seulement de support. Ah, d'accord. Mais on a pris des porte-greffes qui étaient un peu sensibles. C'est pour ça, vous avez vu là, sur l'Écosse, là, vous avez de la colle qui sort. Là. D'accord. C'est des maladies qui attaquent les plantes. Là. Maintenant, on a changé de porte-greffe. Vous avez vu sur le citron, là, vous n'avez rien vu. D'accord. C'est des porte de greffes qui sont sensibles à des... Maintenant, vous voyez, là, on est en fin de production. Hein? Est-ce que vous me suivez? Mm-hmm. Il y a plusieurs variétés de pamplemousse. Donc. Il y a des blancs, il y a des rosés, il y a des rouges sanguinolents, il y a... voilà. On est en train de replanter un nouveau verger. Hein? D'accord. Entre, comme les arbres sont encore petits, là, ils ont mis de la pomme de terre entre-temps. Cette visite a permis, entre autres, de découvrir une variété de plantations de pommes de terre, de pamplemousse, de mandarines, de bananes, etc. Okay. Si c'est mis un peu trop haut, ce qui fait que pour le buter, vous voyez, c'est tout un effort, hein, vous avez compris? Voilà. C'est comme ça la pomme de terre, hein. Un mois après on bute, 15 jours après on rebute, bon, 45 jours après on récolte. Maintenant, c'est une plante qui se produit en saison fraîche. Il ne faut pas le faire en hivernage, c'est maintenant là. Donc tout ce qui est haricots verts, pommes de terre, quoi? Melon, pas pastèque, mais melon. Ça, bon, donc vous voyez que ici, là, c'est bien parti. Hein? On m'a posé une question, je n'ai pas pu répondre. Pourquoi pendant la saison des pluies, l'horticulture ne marche pas? Parce qu'on n'avait pas de variété adaptée. Mais maintenant, on commence à avoir des variétés adaptées. Par exemple, pendant longtemps, on n'a jamais pu faire de la carotte en saison des pluies. Oui, mais on a des variétés de carottes qui marchent en saison des pluies. Des choux pommés, ça a toujours été un problème. Mais maintenant, il y a des variétés adaptées. Voilà. Ça mais là, l'adaptation, c'était quoi sur le marché. Mmh. Oui, c'est-à-dire que vous, quand vous avez un verger, vous ne faites pas ce que tout le monde fait. Vous allez avoir des problèmes d'écoulement. Mmh. Par exemple, la saison 16, c'est très bon de faire du gombo. Mmh. Le kilo borcha est 500 francs. Et on a des variétés de gombo qui font 25 tonnes hectares. Mmh. 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 Ça vaut le coup. Mmh. Et vous allez récolter pendant 2 mois quand même. Mmh. Donc c'est un peu ce qu'on appelle les cultures de contre-saison ou hors-saison. Mais là, c'est à vous de voir. Hein. Mmh. Maintenant, ici, la première partie du verger, vous avez une collection. D'accord.
Par exemple, cette rangée-là, c'est les orangers. Vous me suivez? Vous pouvez en couper, hein, c'est les oranges du Maroc. C'est des orangers, hein, celle-là. Ça c'est quoi, la sanguinolente? Ouais, oui, ça c'est. On la variété pamplemousse qu'on appelle rouge sang. Elle est très très rouge. Bon, bi en général, là. Ça c'est la rose. La rose. Bi c'est quoi? Rouge ordinaire, bi c'est quoi? La blanche. La blanche. Ouais. Ouais. Donc là, il va. Maintenant, celle-là, elle est vraiment assez. Dis-moi la rouge sanguinolente qui est vraiment rouge. Très rouge et très sucrée. Hein. Californie. Voilà. La petite, elle a la priorité. Pourtant, bizarrement, ils ne vendent pas ce genre de mandarin. Il est ordinaire, mais l'ignore. Ordinaire, l'ignore. Ordinaire, mais ils l'ont pas. Vous vous rappelez ordinaire? Mais le problème, c'est que. C'est-à-dire qu'on a une variété. Celle-là, là, elle arrive à colorer malgré la chaleur. Ok. Ne me demandez pas pourquoi, on ne sait pas. Ok. Donc, c'est toujours une linda, c'est toujours une mandarine. Mais lui, malgré la chaleur, il arrive à vous faire un fruit vraiment coloré. Regardez, regardez sur l'arbre là. Tous les arbres sont pleins. Ça, c'est les fruits restants. Et vous suivez? Donc, vous voyez un tout petit peu pour donner un peu une idée de. Kermoussa, sa vocation peut-être aujourd'hui, puisqu'il est connu de façon internationale, c'est d'abord d'apaiser les âmes. Aujourd'hui, on a besoin de calme à l'intérieur. Hein. Pour que ce calme soit apaisé, il faut une certaine harmonie. Harmonie entre les hommes, harmonie, on peut même dans la nature, le pape François parle de l'écologie spirituelle. Vous en savez, j'en parlais déjà. Donc, il faut qu'on soit d'accord avec notre Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord entre nous, que rien ne nous reproche, ne nous divise. Hein. Parce que la musique, ce n'est pas uniquement ce qui est chanté. C'est aussi ce qui est chanté à l'intérieur. Hein. Il faut que notre cœur soit en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec la nature, en harmonie avec Dieu. Donc, avant de pouvoir goûter la musique extérieure. Alors, Kermoussa a beaucoup fait effort par rapport à cela, en essayant de valoriser les instruments locaux, notamment la kora, qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé sans la transformer, si bien que Kermoussa est connu internationalement à travers sa musique et le percata, justement, beaucoup fait dans ce sens-là. Et en utilisant le psaume, en chantant le psaume, en chantant vraiment le chant, quelque chose de très bon, pas uniquement pour les ballets profanes, mais pour le manger du Seigneur. Et vraiment, aujourd'hui, c'est la culture plutôt de l'extérieur. On est très excentrique, mais il faudrait donner davantage de goût des choses internes. Et c'est la foi qui nous permet de savourer la présence intérieure. Parce qu'il faut désirer quelqu'un, il faut désirer une amitié. Si on ne désire pas l'amitié avec quelqu'un, ben, on ne pourrait pas l'écouter. Pour garder le silence, il faut pouvoir écouter celui qui nous parle dans le cœur. Et c'est Dieu qui nous parle dans le cœur. Qu'on soit musulman ou chrétien, on a besoin quand même d'écouter quelqu'un d'autre qui nous parle dans le cœur. Et peut-être éduquer au niveau de la foi tous nos concitoyens, qu'on soit de telle ou telle religion, on a besoin d'écouter l'autre intérieur qui nous parle dans le cœur. Et c'est Dieu. Et c'est celui-là qui nous permettra d'apprécier les choses intérieures. Les moines essayent de. Saint-Bonin demande si le moine cherche vraiment Dieu. On est en quête de guerre en permanence, dans la prière et aussi dans la relation fraternelle avec les autres. Je pense qu'il faut revenir à notre règle où Saint-Benoît nous dit ora et labora, prie et travaille. Et il y a une partie de la règle qui dit ils seront vraiment moines s'ils vivent du travail de leurs mains. Donc il y a la prière qui est premier chez nous et il y a le volet aussi travail bien fait. Habituellement dans la tradition européenne, on disait un travail bien fait c'est un travail bénédictin. Donc
c'est dans ce cadre que nous essayons de faire avec le peu de moyens qu'on a dans l'agriculture, le verger que vous avez vu, où nous essayons, à la suite de nos pères fondateurs qui ont quand même posé le verger, de continuer mieux en essayant d'améliorer et de produire le maxi qu'on peut tirer des fruits de la terre. Pour l'instant, on ne connaît pas le professeur Saloudia qui vous a accompagné, qui est vraiment un ami du monastère, qui nous aide beaucoup, il nous est très précieux. Mais à part lui, on ne voit pas, je n'ose pas dire l'aide ou l'appui de l'État. Mais bon, on fait avec nos moyens le peu qu'on peut. Mais c'est de voir avec votre institut comment créer une sorte de collaboration, de synergie ensemble pour aller vers le développement. Pourquoi ne pas démultiplier ce genre de verger ou autre chose ailleurs. C'est possible. Je pense que là, c'est un problème bon, politique hein, et de volonté aussi d'État de prendre leur destin en main. Donc, tous les pays européens ou ailleurs qui se sont développés, c'est parti de la terre. Il ne faut pas se mentir. Donc, il faut vraiment remettre l'agriculture en valeur et le faire bien. Et je pense que ça peut être un levier de développement pour le Sénégal. Je pense que ce qu'on a vu, ça suffit comme démonstration. Et ces jeunes-là qui s'engagent concrètement. L'agriculture, ce n'est pas seulement une affaire de livres, de thèses, de machins, après on s'arrête là. Non, il faut mettre réellement la main à la pâte et retourner à la terre. Donc moderniser s'il le faut et puis travailler de manière beaucoup plus assidue. La visite du monastère de Cœur Moussa a été bouclée par une dégustation de gingembre et cocktails fabriqués à base de fruits produits sur place. De Cœur Moussa, place au site écologique de la Somone, une belle occasion pour le personnel de l'ISEP de découvrir la réserve de mangroves et le travail de plusieurs groupements de femmes qui œuvrent pour le développement communautaire de la localité. La lagune, si vous voulez, c'est l'endroit où la rivière se mélange avec. Maintenant, ça c'est facile à reconnaître parce qu'une rivière là amène toujours beaucoup d'éléments fins et d'éléments dissous. C'est ça qui fait qu'il y a ces argileux. Maintenant, le problème des lagunes, c'est que le sel là va arrêter la décomposition de l'argile. D'accord. C'est comme ça. C'est ça qui fait que vous sentez une odeur assez particulière. Là. Elle est autonome, elle est isolée, mais vous voyez, elle est relativement propre. Oui, elle est très propre. Les gens ne se rendent pas compte, mais elle est très propre. Ah oui. Donc le fait qu'on les confie aux femmes et qu'on leur permette de l'exploiter, hein, parce que les pailles, tout ça qu'elles vous vendent, elles prennent à l'intérieur, mais elles essaient de faire ça de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une exploitation industrielle. Et ça permet à la ressource de se renouveler. Et vous verrez que bon, elles y gagnent quelque chose, mais nous, ça nous permet aussi de ne pas avoir à courir des braconniers. Voilà, c'est les formes de conservation durable là, qu'on commence à Henri tu souris, hein, mais reste tranquille. C'est pas facile. Vous ne reconnaissez pas, maintenant ce n'est plus l'agronome, c'est l'écologiste. Hein, voilà, ce matin, je parlais comme agronome, maintenant je parle comme écologiste. D'accord. Une journée découverte pour l'ensemble du personnel, enseignants et gestionnaires. Donc, avec le partenaire Gaïa, qui est un groupement qui travaille dans le développement durable et l'écologie. Et c'était une journée destinée à découvrir plusieurs sites, notamment en commençant par le site du monastère de Cœur Moussa et terminant ici par le site de la Somone. Le monastère de Cœur Moussa, c'était tout ce qui était agronomie,
On a visité les vergers, on a visité tout ce qu'il faut en termes d'autosuffisance alimentaire, on va dire. Et c'est un très bon modèle que nous avons découvert. Et également ici, au niveau de ce monde, c'était de faire le circuit écologique autour de la mangrove et autour du développement communautaire, avec les dames vers lesquelles on a terminé en faisant de la dégustation de produits de la mer. Donc tout ceci, c'est pour initier le personnel à tout ce qui est développement durable, écologie. Et derrière, maintenant, il y a plusieurs choses qui sont visées, notamment à travers le personnel de sensibiliser nos enfants, et également à travers les enseignants formateurs de faire en sorte que ce type de réalité rentre dans tous nos dispositifs pédagogiques. Aussi bien pour ceux qui ont fait la filière production agricole qu'on a vu ce matin, également la filière écotourisme et même les autres filières qui peuvent trouver leur voie également dans tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, dans notre propre pays. Donc ça veut dire, bon, c'est pas forcément de notre faute, ça veut dire qu'au niveau de l'État, il y a des choses à faire, au niveau des agences de voyage, il y a des choses à faire. Et tous les jeunes, pour ne pas les citer, qui sont en train de travailler dans des projets de découverte, dans des projets de mise en place de plateformes touristiques, de plateformes de loisirs, eh bien, c'est un créneau qui est largement ouvert devant réel, parce que le Sénégal reste à découvrir pour l'ensemble des Sénégalais. Bah, félicitations à toute l'équipe de l'ISEP, félicitations à l'équipe de reportage, félicitations, je n'ai pas voulu les citer, mais à l'équipe, à la jeune équipe qui est en train de travailler sur une plateforme donc, de découverte de loisirs. Je ne vais pas citer son nom, mais la personne concernée va se reconnaître. Merci. Journée de découverte a pris fin à Sali, à l'hôtel Phoenix, où acteurs de développement durable, écologistes et personnels enseignants gestionnaires ont échangé longuement autour d'une table sur la problématique de l'éveil de l'enfant à l'environnement à travers les curricula et programmes pédagogiques de notre beau pays, le Sénégal.